Bonsoir, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour deux heures de direct, deux heures d'échange, de partage, d'émotion. Le 3921 est le numéro qui est le vôtre si vous souhaitez témoigner jusqu'à une heure. Nous sommes tout à votre écoute. Au 3921, vous serez accueillis par Paul et Jeanne, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez me faire parvenir vos messages, comme chaque soir, que ce soit par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21, en commençant votre SMS par le mot « nuit ». Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Maxime. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu stressé. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, on va parler tranquillement. C'est ce que vous vivez aussi qui vous préoccupe beaucoup. C'est plus compliqué, vous allez voir, que de passer à l'antenne. Vous avez 17 ans ? Oui. Hein ? Vous avez 17 ans et actuellement pas mal de soucis avec vos parents, plus précisément avec votre père ? Oui, il n'y a pas beaucoup de... Comment dire ? En fait, on se dispute souvent par rapport à mon travail au lycée. Pourquoi ça pas, c'est... Il trouve que vous travaillez pas assez. Les notes sont pas terribles. Je suis trop fainéant. Qu'est-ce que vous en... Vous c'est quoi? C'est que vous êtes pas trop motivé ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai que je suis pas très rigoureux dans mon travail, on va dire. Vous êtes en quelle classe? En première ES. D'accord. Oui, bon, c'est bien déjà, 17 ans, bon, première ES, vous avez passé le bac de français ? Ouais. Catastrophe. C'est une catastrophe ? Ouais. C'est pas votre fort, le français ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. Vous pourrez peut-être rattraper avec le bac l'année prochaine. Oui, c'est ce que je me dis. Hein, c'est possible. Je suis vachement motivé pour l'année prochaine, et puis... On verra bien. Vous êtes plus motivé pour l'année prochaine, pour le bac ? Je me prends tellement de reproches en fait par rapport à ça que j'ai envie de leur montrer que je suis capable. Que vous êtes capable, oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une bonne chose si vous le prenez comme ça, si ça vous donne un peu la niaque pour justement travailler, ouais. Vous dire vous allez voir ce que vous allez voir. Tout à fait. Je suis plus capable que vous ne le pensez. Et puis peut-être par rapport à des projets que vous avez après, non ? Je ne sais pas, vous avez des projets en non, tête ? Non, justement. Je n'ai pas de projet, c'est ça. C'est ça qui me remet tout le temps sur le tapis. Et puis, non, mais c'est un ensemble de choses. Voilà, il y a aussi que je suis homosexuel. Oui. Et du coup, ils ne l'acceptent pas vraiment. Quoi. Parce que vous en avez parlé avec eux ? Ouais, ouais. Il y a combien de temps ? Depuis la seconde, en seconde. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous avez éprouvé le besoin d'en parler vous cherchiez... Comment vous leur avez dit ? En fait, ils m'ont découvert un peu. Ah oui. Que j'étais avec quelqu'un, un garçon. Et du coup, ils m'ont très, très, très mal pris. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, comment elle a réagi, votre mère ? Elle a pleuré. Elle m'a dit que j'étais pas normal. Des trucs qui m'ont vachement blessé. Quoi. Et souvent, quand on se redispute, elle me ressort ça tout le temps dans la tête. Quoi. Et ça fait vraiment mal, en fait, parce que moi, je suis pour rien. Quoi. Non. Je n'ai rien demandé. Si j'avais eu la chance d'être hétéro pour pas vivre ça, franchement, voilà quoi. Oui, ça rend les choses compliquées. Alors que jusque-là, vous, ça se passait bien avec vos amis, vos amis le savaient. Enfin, est-ce que c'était pas un problème, j'imagine, pour eux ? Non, mes amis, ils ont toujours su. Sans que je leur dise, en fait. Et après, j'ai un peu officialisé, mais avec mes amis, ça se passe très bien. Oui, puis vous aviez un petit. Je me sens mieux avec mes amis qu'avec mes parents. Oui, vous vous sentez pas jugé avec eux. Quand je suis chez moi, je monte dans ma chambre et puis je reste dans mon monde, comme idée. Et c'est quoi votre monde, alors ? Mon monde, c'est mon téléphone et mes amis qui sont à l'autre bout du fil. Oui, vous restez liés, c'est ça, c'est pas un monde virtuel, c'est c'est vos amis avec qui vous continuez à échanger. Voilà, c'est ça.
Et ils l'ont découvert parce qu'ils vous ont vu avec un garçon ? Ou ils ont vu des messages. Ah oui. Oui. Oui, donc ça a été un peu brutal quand ils ont compris que c'était des messages d'amoureux destinés à un garçon. Voilà, c'est ça. Et votre mère, elle a, entre sa première réaction qui a dû être effectivement assez violente pour vous, on parle de normalité, bon, c'est des mots, elle était sous le choc. Entre-temps, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que quand vous dites, il y a des moments où quand elle vous crie après, ça revient, ça. Voilà, vraiment pas changé d'avis. Contrairement à mon père, qui est bizarrement. Je m'attendais plus à ce que ma mère me soutienne que oui. Sur mon père. Oui. Mais mon père, il prend ça comme quelque chose qui peut rien changer. Donc, Oui, il est plus fataliste, lui, finalement. Voilà. Il dit voilà, c'est comme ça. Ouais. Alors, votre mère, vous pensez qu'elle espère vous changer ? Oui, oui, oui. Comment alors ? Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Par exemple, j'ai une belle fille à la télé. Elle me dit ah, tiens, regarde Maxime. Regarde comme elle est belle. Oui. Des trucs comme ça. Oui, elle ne veut pas accepter. Non. Et qu'est-ce que vous lui dites, vous, quand elle vous parle donc de jolie fille à la télé ? Vous lui répondez ? Je réponds que j'aime les grands. Et après, ça part. On reproche, quoi. Comme quoi, je suis ordonnée, enfin, je suis contre nature. C'est tout le travail. Hein. Oui, c'est difficile à entendre. Ouais, ça fait mal. Et le reste du temps, quand il n'y a pas ces échanges-là, elle est comment avec vous ? Comme si de rien n'était. D'accord, ouais. Mais quand il y a une dispute, quand il y a un truc qui m'a fait au four, ça revient tout le temps sur la tête. Oui, elle vous blesse comme ça, quoi. C'est quelque chose qu'elle accepte pas. Vous êtes fils unique ? Non, j'ai une sœur et un frère. Qui sont plus âgés que vous ou plus petits ? Non, je suis l'aîné. Vous êtes l'aîné, ah oui. Ouais. Et pourtant, comment on en a beaucoup parlé les derniers temps. Alors c'est vrai que ça n'a pas forcément... dans un contexte, il est vrai, très conflictuel avec les manifestations pour le mariage pour tous, les contre-manifs. Donc comment ça a été vécu, vous, à la maison ? Là, vous l'évoquiez ou vous évitiez le sujet ? Parce que c'était compliqué d'éviter le sujet à ce moment-là. On en parlait tout le temps. Ouais. Enfin, on ouvrait le journal, on regardait la presse. C'était vraiment sur le devant de la scène. Est-ce non, on évitait le sujet. Vous évitiez le sujet, oui. À ce moment-là, c'était encore assez frais, on va dire. Donc, oui. Finalement, vous avez plus... Du côté de votre père, lui, il est après vous par rapport aux notes. Bon, il aimerait que vous travailliez davantage parce que, après tout, il pense pas que vous n'êtes pas capable, si je comprends bien. Il dit que vous êtes feignant. Donc, ça veut dire qu'il pense qu'au contraire, vous avez des capacités. Il m'a dit aujourd'hui même que je n'étais capable de rien. Enfin, il me rabaisse tout le temps. Il n'est pas derrière moi pour me... Enfin, j'ai besoin de ça un peu dans ma sens. Voilà. Vous auriez besoin de quoi, finalement, qu'il soit derrière vous pour vous stimuler, vous encourager ? Oui, voilà, tout à fait. Et est-ce que vous lui dites, quand il vous dit, sous le coup de la colère, que vous êtes capable de rien, que ça vous blesse et que finalement, ça... Enfin, c'est pas ce qui vous motive. Je réponds plus. Parce qu'après, ça part. Après, je m'énerve, enfin, on s'énerve tous, et puis je pète un câble, enfin, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire ? Je casse tout. Vous cassez tout ? Dans votre chambre ? Ouais, je suis trop énervé, je... Oui, ça déclenche et beaucoup après, de coups. Après, je pars de chez moi. Chez une amie pour me calmer, on va dire. Et après, justement, quand vous êtes calmé, quand vos parents aussi sont calmés, il n'y a jamais d'échange entre vous un peu plus posé, quoi, en disant bon, il faut qu'on essaye de voir, on va pas continuer comme ça à s'empoisonner l'existence, non. Tout le monde est un peu malheureux. Finalement, vous êtes malheureux de. C'est difficile de se dire qu'on peut décevoir ses parents parce qu'on correspond pas à ce qu'ils attendaient. Ouais, comme vous le dites vous-même quand vous dites vous n'y êtes pour rien.
Vous n'avez pas choisi, bon, d'aimer les garçons. Mais vous vous rendez compte, finalement, votre mère, elle pleure, elle dit « Ah, ça, c'est pas normal, c'est pas... » C'est toujours, pour quelque raison que ce soit, mais de dire qu'au fond, on déçoit ses parents, c'est difficile à vivre. Oui, très dur. Surtout quand je vois que avec mon frère, ils essayent de tout faire pour pas qu'il soit comme moi, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'ils font pour... Quel âge il a, votre frère? De le rendre plus homme que... Ah bon? Oui, mais... C'est-à-dire, ils font tout pour... C'est pas compliqué. Mon frère, ils veulent pas rater cette fois-ci, j'ai l'impression, quand je les vois avec lui. J'ai l'impression qu'ils pensent avoir raté quelque chose avec moi et ils sont à fond sur mon frère. Donc ils vont sur une éducation, comme s'il y avait une éducation à donner à un garçon voilà, très bien. Voilà, il a fait au foot et tout, ce que j'ai pas eu, quoi. Oui, alors finalement, oui, lui, il est... Alors si c'est son désir, après tout, tant mieux, on est en plein dedans en plus en ce moment, oui. Mais... Il a quel âge, lui, votre frère? 7 ans. 7 ans? Oui. Oh, il est tout petit, ouais. Oui. Oui, mais c'est... C'est un grand fan de foot? Ouais, ouais, déjà, il connaît tous les noms de tous les joueurs. Bon. Oui, oui, oui. Oui, mais ça veut rien dire. Enfin, quand vous dites qu'ils veulent faire de lui un homme, enfin que ça soit un homme, ça veut pas dire que vous n'êtes pas un jeune homme. Vous êtes un jeune homme d'ailleurs là pour le moment. Vous voyez, c'est pas parce que vous aimez les garçons que vous n'êtes pas un homme. Oui, ouais. Mais c'est d'autant plus difficile parce que vous vous rendez compte, oui. C'est-à-dire que c'est ce qui crée actuellement ce conflit, cette incompréhension, et qu'au fond, vous êtes tous un peu malheureux et que vous vous rendez malheureux. Alors, bon, il y a un cap à passer. Comme si vos parents, enfin, peut-être, se sentent responsables, et c'est une réaction qu'on rencontre souvent, hein, chez les parents, comme ça, quand ils apprennent que leur enfant donc est homosexuel, ils pensent que c'est lié à quelque chose qu'ils auraient, je reprends votre expression, raté, comme si déjà le fait donc d'être homosexuel, c'était pas être donc comme tout le monde, et donc c'est qu'il y a eu un raté quelque part, alors que c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Vous voyez, il n'y a pas de question par rapport à la normalité, ce qui est normal, anormal, contre nature. Mais on a plein de notions comme ça de ce qui doit être. Ouais, ouais. Mais c'est difficile pour vous d'intégrer, vous vivez pas comme ça. Ouais. J'ai envie d'être moi-même, c'est tout. Oui, c'est ça. Et c'est déjà compliqué. Enfin, à votre âge, c'est pas si simple, même de façon générale, d'être soi-même. D'arriver à savoir qui l'on est. Donc ça complique un petit peu les choses. Mais la réaction de vos parents, elle n'est pas... comment dire? Elle est... On la rencontre assez souvent, hein, chez les parents comme ça, qui se sentent... Parce qu'ils ont toujours l'impression de... Il y a aussi de la peur derrière ça. La peur que finalement, ça soit plus compliqué pour vous. Plus difficile. Que si vous étiez, si vous voulez, à suivre la route du plus grand nombre. Ouais. J'aimerais bien que mes parents rencontrent d'autres gens, d'autres parents, pour qu'ils comprennent que. Enfin, j'ai rien fait de mal, quoi. Moi, je. Vous aimeriez vraiment... ou ils font cette démarche? Non, ils font pas cette démarche. Ils n'en sont pas là du tout. Mm-hmm. Mais très souvent, je regarde des. Dans mes heures parties, je regarde des témoignages de parents pour comprendre un peu pourquoi mes parents réalisent comme ça. Quoi. Mm. Je regarde des témoignages de parents homosexuels. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a eu, en plus, on en a parlé, puisque récemment, il y a eu cette mère qui, je crois qu'elle a écrit un livre d'ailleurs sur, elle disait qu'elle avait, son fils est maintenant, enfin, grand, il est adulte, qu'elle avait réagi très très violemment quand elle avait appris donc que son fils était homosexuel, au point de, je sais pas si c'est allé jusqu'au rejet, j'ai entendu comme ça des interviews d'elle, et elle a dû faire tout un chemin
pour finalement, il y a une tellement grande culpabilité que maintenant on sent qu'elle est beaucoup dans l'inverse, dans la réparation. Mais où elle dit que il y a dû, effectivement, elle a dû faire aussi tout ce chemin pour pouvoir se dire que finalement, par rapport aux peurs qu'elle avait, aux angoisses, aux préjugés, que renvoie encore la société quand même, hein, et on. Oui. Et c'est vrai que cette histoire aussi, tout ce qui s'est passé, toutes ces manifestations ont cristallisé beaucoup de peurs, d'angoisses. Et je me disais que justement pour les jeunes gens ou les parents, ça devait pas être simple à vivre tout ce qu'on entendait à ce moment-là, quoi. Parce que on a entendu des positions quand même très très marquées et assez extrêmes et très violentes. Oui, oui, oui. Mais vous êtes rapproché de, ou parce que vous aimeriez que vos parents fassent cette démarche, mais vous avez éprouvé le besoin d'aller auprès d'associations, de rencontrer d'autres jeunes, ou vous, pas spécialement, c'est-à-dire que vous, ça va bien? Non. À part les difficultés, oui. Non. Non, non. Je connais j'ai des amis homosexuels, mais j'ai jamais vraiment fait cette démarche parce que je pense pas que ce serait possible avec mes parents. Mais c'est vrai que le problème, c'est que il y a encore, on est imprégné et les gens, malgré eux, il y a eu finalement, si vous voulez, quand on pense que pendant longtemps l'homosexualité, c'est vrai, avait été assimilée à une maladie, et c'est quand même qu'en 81 que cette classification a été abandonnée. C'est très récent quand on y pense. Ouais. Donc tout ça, ça imprégnait beaucoup les esprits, même d'un point de vue juridique. C'était considéré aussi, c'était puni aussi dans certains pays. Ça le reste. Et c'est vrai que on ne répétera jamais assez qu'en matière de sexualité, l'idée de norme n'a pas de sens. Parce que la sexualité, c'est finalement quelque chose de beaucoup trop complexe pour qu'on puisse la réduire à des critères de ce qui est normal, ce qui est anormal, ce qui est dans la nature et contre nature. Tout à fait. Oui, je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait, être homosexuel, c'est ni mieux ni moins bien. C'est comme ça. C'est, enfin, oui, il y a... Bon. Oui. Donc c'est important, c'est déjà. Vous, on sent que vous le ressentez, enfin, il y a quelque chose où vous êtes avec vos amis, vous sentez. Le problème, il n'est pas tant par rapport à vous que il y a de vous sentir finalement incompris par vos parents. Mais ça peut évoluer, ils peuvent évoluer, certainement. Mais j'espère, parce que ça fait quand même bientôt 2 ans. Donc. Bon, j'aimerais bien. Oui, mais d'ailleurs, la plupart du temps, heureusement d'ailleurs, ils ne vous parlent pas tout le temps de ça. La plupart du temps, vous avez des conflits avec eux qui tournent, comme beaucoup, certainement, de lycéens actuellement, autour des notes, du travail scolaire. Ils trouvent que vous n'investissez pas trop. Ils s'angoissent pour vous. Ça veut dire qu'ils vous aiment. Ils vous investissent. Et même votre mère, quand elle est dans ces paroles-là, quand elle dit regarde, elle est dans ce qu'elle espère qui serait pour vous la vie la meilleure, ou peut-être vous seriez le moins où ça soit moins difficile pour vous. Parce que les parents, il y a des parents aussi qui derrière ça ont peur pour leur enfant que, en suivant un chemin un peu différent, ça soit plus compliqué pour lui. C'est pour ça qu'ils aimeraient effectivement que, puisque vous avez des capacités, et là ils ont raison, que vous travaillez, parce que c'est après tout votre avenir que vous préparez. Ils aiment dire que ça serait bien que vous ayez un projet, mais après, un projet, ça vient pas comme ça, hein, en tête. Il faut réfléchir à des choses, et puis peut-être que vous avez la tête trop encombrée d'autres choses pour vous projeter dans votre avenir, justement. Je suis un peu largué à ce niveau-là. Comment ? Pour l'instant, je suis un peu largué à ce niveau-là. Pour l'instant, je bosse le bac et après. Voilà, oui, c'est ça. Oui, vous n'avez pas une voix, quelque chose, une envie particulière, un talent, quelque chose que vous aimez faire, vers lequel vous aimeriez vous destiner ? Non, pas du tout. Non, pas pour le moment. Pas encore. Bah, ça peut venir, ça. Ouais. Mais en revanche, avec votre père qui, lui,
n'en fait pas finalement autant un problème. En tout cas, il exprime différemment que votre mère. Il ne cherche pas à vous changer. Non, lui, oui, il prend ça pour une fatalité. Enfin, il m'a dit, oui, fatalité, enfin, ce n'est pas le mot, parce que ça, je veux dire, ce n'est pas une fatalité en soi. Non, oui, non, mais je veux dire, il sait qu'on ne pourra rien y faire. Enfin, je suis comme ça. Et l'important, c'est que vous soyez heureux dans votre vie. Oui, c'est ce que derrière ça, il y a ces angoisses. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'angoisses que du coup, ça vous renvoie une image de vous comme si ça allait pas, quoi. Vous étiez pas dans les rangs, dans les clous. Mais il y a beaucoup de jeunes comme vous qui se cherchent déjà sur le plan des études et autres. Voyez, il y a rien de. C'est une situation somme toute très courante. Mais simplement, bon, quand on la vit, c'est plus difficile. Ça, c'est vrai. Mais je pense que derrière ça, il y a quand même, même s'il y a des choses maladroites qui vous font souffrir, il y a, ils vous investissent, ils ont envie que vous réussissiez le mieux possible votre vie. Donc vous pouvez dire parfois, notamment à votre père, en disant, écoute, au fond, j'aimerais aussi que tu puisses croire en moi, que tu m'encourages, j'en ai besoin. Ouais, après, quand j'ai dit ça, une fois, je lui ai dit... Oui, il y a quand même du bon, enfin, il y a des matières où j'ai augmenté enfin, pour mon bulletin. Oui. Il m'a fait non, dans ton bulletin, il y a de la merde, excusez-moi, j'ai du vulgaire. Il m'a fait oui, non, je peux rien dire de ton bulletin, laisse tomber. Il l'a rangé dans le tiroir. Oui, mais lui, on voit bien que votre père, il est bon. Lui, sa préoccupation, c'est passe ton bac d'abord. Il est très pragmatique. Ben oui, il a envie. Bon, il se dit, voilà, j'ai un fils intelligent, il faut qu'il s'y mette un peu, quoi. Et après tout, c'est pas mal la réaction que ça déclenche chez vous. Dire, ben, il va voir, je vais lui montrer que je suis capable. Tant mieux, si ça vous donne l'envie de dire, ben, je vais prouver que vous êtes capable et que vous allez y arriver. Et que vous allez avoir votre bac. Alors, il y a Yvan, il y a des auditeurs qui parlent de, effectivement, l'association Le Refuge. Europe 1 avait parrainé cette association qui est justement destinée pour les jeunes homosexuels qui parfois vivent des situations terribles de rejet de leur famille, où ils sont carrément mis à la porte. Et ouais. Donc cette association leur vient en aide, leur propose une structure, les accueille le temps qu'ils mettent en place un projet. Heureusement, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que votre mère, elle aimerait mieux pour vous, oui, que vous lui présentiez une fille qu'un garçon. Voilà, elle se voit plus avec une belle fille qu'avec un gendre. Bon, elle se projette comme ça pour le moment, et il y a un temps pour accepter. C'est pas tant vous, ça remet pas en cause l'amour qu'elle vous porte d'ailleurs, mais c'est elle un cheminement qu'elle a à faire. Et vous savez, quand elle va vous voir grandir, évoluer, c'est ce que disent beaucoup aussi d'auditeurs, hein, c'est ce que dit Margaret, c'est un cap à passer. Très vite, vous allez être majeur, vous allez pouvoir assumer vos choix, construire une vie à votre convenance, et quand vos parents vous verront bien et heureux, ils seront heureux pour vous. Oui, j'espère. C'est vraiment, je pense, un cap à passer. Maintenant, c'est vrai que s'il y a des... vous ressentez le besoin par moment, outre les conflits qu'on peut avoir avec ses parents à cet âge-là, autour des études, autour des projets, où les parents s'angoissent pour votre avenir, que ça rajoute une difficulté supplémentaire, vous pouvez peut-être aller parler, vous. Vous voyez, voir... un psy, non pas parce que vous êtes homosexuel, hein, c'est pas le problème, est pas là, mais parce que ça fait quelque chose d'une difficulté supplémentaire qui se rajoute et où vous pouvez vous sentir du coup incompris ou avoir le sentiment, comme je le disais, de décevoir ses parents. Et on peut les décevoir pour plein d'autres raisons, parce que, je sais pas, les parents voulaient qu'on fasse des études de médecine, de droit ou je ne sais quoi, et puis qu'on l'enfant choisit une filière artistique, voyez. Et que finalement, on grandit aussi parfois en acceptant de ne pas être l'enfant parfait dont rêvaient les parents. Hein. Parfait, entre guillemets, à leurs yeux. Oui. C'est aussi ça. Je ne serai jamais l'enfant parfait. Donc... Mais heureusement, parce que l'enfant parfait, ça serait sinistre, finalement. C'est un idéal aussi. Chacun, bon, se fait une... C'est aussi, je vous dis, derrière ça, la peur que... Que ça soit plus difficile pour vous, ce qui veut rien dire.
Ce qui veut rien dire du tout. On va accueillir, je crois qu'on a Daniel avec nous, qui est au 3921 et qui a envie de vous parler. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Écoutez, j'ai écouté votre émission et dès les premières phrases de votre jeune homme, de Maxime, je ne me rappelle plus son Maxime, prénom. Qui Maxime, vous écoute, qui est là. Écoutez, je me suis reconnue tout de suite dans la réaction de ses parents et j'ai reconnu mon fils dans ce qu'il disait. Parce que moi, je me suis rendue compte, là je vais avoir 67 ans dans un mois et mon fils vient d'avoir 42 ans. Oui. Mais je me suis rendue compte de son homosexualité par hasard parce que je suis tombée sur un papier qu'il avait écrit, enfin voilà, il devait avoir à peu près l'âge de Maxime, 16 ans et demi, 17 ans, 17 ans et demi, je suis tombée des nues et j'ai, moi aussi je me suis sentie fautive, qu'est-ce que j'ai fait, j'étais divorcée, je travaillais beaucoup, je me suis, qu'est-ce que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, qu'est-ce que, voilà. En plus, on était beaucoup en conflit, il travaillait mal à l'école, il faisait pas mal de bêtises, entre guillemets, moi aussi je menais une vie un peu difficile de travail, j'avais un autre fils qui avait un an de plus, enfin voilà, et on s'est pris un petit peu tous les deux la tête. Enfin, quand j'ai su ça, on a eu des discussions, on s'est accrochés tous les deux. Et en fait, il a eu le bac, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, il a eu le bac l'année d'après. Il est allé faire des études aux États-Unis pendant quelques années. On se voyait de temps en temps, mais enfin, on s'accrochait quand même toujours beaucoup. On s'aimait, hein, mais on s'accrochait quand même beaucoup. Oui. Et moi, je continuais à me poser des questions par rapport à l'éducation que je lui avais donnée, mes manques, etc. Et puis... moi, j'habite Toulouse et puis il a fallu que je change de travail, que je change de région. Et je suis allée pendant quelques années travailler à Paris, à la lisière du Marais. Et je me suis trouvée dans un environnement où il y avait pas mal d'homosexuels, femmes, surtout hommes, et qui étaient très gentils, très sympathiques. Et je ne m'étais jamais trouvée dans ce contexte-là. Je me suis familiarisée avec eux. Ils étaient charmants. Et y compris dans le travail que je faisais, puisque j'avais affaire, professionnellement, j'avais affaire au public, j'en voyais aussi pas mal. Vraiment, je trouvais qu'ils étaient très agréables. Et concours de circonstances, mon fils était revenu des États-Unis. Oui. Et à travailler à Paris. Et donc, on se voyait de temps en temps, on s'accrochait un peu, puis il avait beaucoup de soucis financiers, moi j'en avais un peu, mais enfin, on s'est rapprochés beaucoup tous les deux, il a fait beaucoup d'efforts dans son travail, il avait réussi très modérément ses études, mais enfin, il s'était quand même dépatouillé, et finalement, petit à petit, comme ça, sous-tendu par l'affection qu'on se portait quand tous les deux. Oui. Écoutez, il s'est mis à me parler tout à fait naturellement de sa condition d'homosexuel, des copains qu'il rencontrait. D'ailleurs, j'en ai rencontré quelques-uns que je trouvais vraiment très, très bien. Et moi, j'ai fini par trouver ça tout à fait naturel. Et maintenant, vous voyez, au cours des années, il est sorti avec un, il est sorti avec l'autre, il avait quand même pas mal de liaisons différentes. Mais moi, je me suis habituée à tout ça. Oui. Parce qu'on était très proches. Après, j'ai quitté Paris, mais il venait me voir, j'allais le voir, on était très proches. Il me parlait de ses copains. Je suis avec un tel, je ne suis plus avec un tel, mais enfin, on est restés amis, etc. Et maintenant, il est avec un ami, ils vivent en couple, dans un appartement qu'ils louent tous les deux. J'adore son copain. J'adore le couple qu'ils forment tous les deux et on est vraiment, je trouve tout à fait normal sa vie d'homosexuel. Je ne comprends même pas que j'ai pu, il y a 20 ans, être tellement interloquée, m'en vouloir, me poser des questions. Je ne comprends même pas comment j'ai réagi comme ça et lui ne comprend pas non plus comment il a pu être aussi, parce qu'il était un peu odieux quand même par rapport aux études, aux altercations, mais etc. C'est ça, c'est-à-dire qu'après ça se greffe dans tout un contexte où on peut focaliser sur la vie amoureuse
et donc dire ah ben j'ai un fils ou une fille homosexuelle, alors qu'en fait il y a aussi d'autres choses, comme c'est parfois l'arbre qui cache la forêt aussi, il peut y avoir oui. d'autres choses derrière, des sources de conflits, d'incompréhension, oui. et on s'agrippe à ça comme oui, si c'était oui. le seul la seule chose, alors dessus bah il y a toute une histoire, il y a, et vous le dites, et Maxime le dit très, vous le dites très bien d'ailleurs en ce moment, bah aussi ce qui préoccupe vos parents à juste titre, ce sont vos études, comme beaucoup de parents, ils sont soucieux, ils ont envie que vous réussissiez, bon c'est un peu tout ça. Oui, moi c'était pareil avec mon fils, vraiment, il passait très difficilement de classe en classe chaque année, donc c'était mon souci majeur, parce oui. que je me disais, oui. il ne va jamais arriver à avoir un boulot ou quoi. Mm. Et puis finalement, au bout du compte, il s'en sort très bien. C'est lui qui a le mieux réussi. Son frère, qui avait un an de plus, il n'était pas du tout homosexuel, travaillait très bien, j'avais pas du tout de problème, on avait très peu de friction, etc. Ben, total, maintenant, à l'heure actuelle, il y a 11 mois qui les séparent, mais mon deuxième, qui m'avait posé tellement de problèmes de toutes sortes, a très bien réussi professionnellement, gagne presque deux fois plus que l'autre, et puis est finalement plus stable maintenant dans sa vie sentimentale avec ce garçon adorable avec qui il est, que son frère. Mais j'ai eu de mauvaises réactions aussi parce que je me posais tellement de questions sur moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Mais c'est important, enfin, votre témoignage, et je vous remercie beaucoup d'avoir appelé, parce que je crois que les parents, dans ces cas-là, certains se sentent envahis de beaucoup de culpabilité. Déjà, les enfants, quand il y a quelque chose où on pense qu'il y a une difficulté particulière, ou on se dit, tiens, est-ce que j'ai loupé quelque chose dans l'éducation ? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai pas fait ? Enfin, c'est souvent le propre des parents, hein, de culpabiliser, de se dire, oui. Bon, il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Donc, ça empêche de réfléchir finalement, ça empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et puis, mais il y a un cheminement aussi qui se fait. Est-ce que Maxime, vous avez envie peut-être de poser une question à Daniel, parce que c'est vrai que son témoignage est très encourageant et très réconfortant, je trouve. Ouais. Puis alors, il y a quelque chose aussi que. Il y a quelque chose qui me vient là, qui me semble aussi important. Vous voyez, j'ai eu un mauvais réflexe j'étais tellement, vraiment, je me suis sentie sonnée quand je me suis rendu compte que mon fils était homosexuel. Et j'étais divorcée. J'ai appelé son père, on avait des relations, plus ou moins bonnes. Enfin, bon, il m'en voulait toujours beaucoup parce que c'était moi qui étais partie, qui avait voulu. Voilà. Donc, quand je lui ai dit ça, il a eu une réaction bien pire que la mienne. Et tout de suite, sa première réaction, ça a été que, tu vois, t'as voulu divorcer, ben voilà le résultat. En gros, c'était ah, ça. Ah, d'accord, oui. Et ça a été comme ça pendant pas mal de temps après. Donc, j'ai même regretté de lui en avoir parlé. Mais enfin, il m'a tout mis sur le dos, en plus. Et oui, mais c'est une façon de régler ses comptes avec vous. Bon. Oui, mais c'est complètement ridicule. Bon, il est mort après, quelques années d'après, mais donc il n'a pas pu voir comment son fils finalement s'est bien épanoui, s'est bien sorti de tous les problèmes, est devenu quelqu'un de tellement bien. Oui, mais c'est ça. C'est l'important, c'est d'avoir un enfant qui va bien, qui est heureux, qui dans ce qu'il fait, dans ce qu'il accomplit. Je suis très fière de mon fils. Oui. Je suis très fière. Et mon fils, maintenant, depuis déjà pas mal d'années, il est très, très à l'aise avec tout ça, moi aussi. Et donc, il me fait connaître ses copains quand il a l'occasion. Et donc, je les salue. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont tous très bien. Et finalement, je les adore, quoi. Mais vraiment, c'est super. Et oui, comme quoi les choses peuvent évoluer et que par rapport à des réactions qui peuvent paraître au départ excessives, il faut se donner du temps et voir venir, même si sur le moment, quand on a l'âge de Maxime, c'est forcément un peu difficile à vivre. J'ai beaucoup de messages aussi pour vous, Maxime, hein, qui sont très encourageants. Il y a Corinne, très chaleureux. Il y a Corinne, elle dit « Moi, je trouve que ce jeune homme est très attachant. Alors, je lui souhaite vraiment plein de bonnes choses. » Elle dit « Puis quand même, franchement, il faut remettre parfois les choses un peu dans un contexte. Il vaut mieux apprendre que son enfant est homosexuel que gravement malade. » Voilà. Il faut, alors évidemment, vu comme ça, c'est certain. Il y a Chaudron de la Barre qui trouve que vous faites preuve de beaucoup de maturité et puis qui dit que vous pourriez vous rapprocher d'associations telles que Contact
ou le refuge, mais le refuge, bon, c'est, vous n'êtes pas rejeté par vos parents, heureusement pour vous. Il dit que vous pourriez trouver un lieu d'écoute et amener vos parents vers l'acceptation de ce que vous êtes. Ça vous ôterait peut-être un poids. En tout cas, il vous dit ne culpabilisez pas, profitez de l'été pour recharger les batteries et débuter sereinement votre année de terminale. Et puis, poussière d'étoiles dit rassurez-vous, Maxime, hein, votre vie ne sera pas plus ardue parce que vous êtes homosexuel, soyez-en certain. Cultivez cette envie de réussite et démontrez à vos parents et à vous-même que vous êtes capable de vous en sortir sans difficulté. Et elle a raison. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je trouve que la position que vous prenez de dire « bon allez, je vais montrer, ils pensent que je suis pas capable, je vais bosser cette terminale », déjà ça va enlever un poids, au moins de dire « bon voilà, le souci, voyez, je réussis, je marche bien, vous allez être content de vous, fier de vous, vos parents vont être fiers aussi de vous, de vos résultats ». Et déjà, ça sera une bonne chose. Et puis vous, bah, vous construisez petit à petit. Et excusez-moi, si je peux me permettre de rajouter juste quelque chose. Je trouve que c'est extrêmement important que les parents de Maxime sachent qu'il est homosexuel. Parce que, voyez, il y a eu certains copains de mon fils qui n'osaient pas en parler à leurs parents et qui faisaient semblant, qui se sentaient obligés de faire semblant, etc. Et plusieurs fois, moi, je me suis dit, mais heureusement que mon fils... On a eu des frictions, etc., mais oui, au moins, on le savait. Parce que moi, j'aurais été capable. J'étais pas du tout... je connaissais mal pratiquement pas ce milieu, j'aurais été capable de ne même pas m'imaginer qu'il était homosexuel, de ne pas trop comprendre pourquoi il n'amenait pas une fille à la maison, etc., de lui faire des réflexions, tiens, tu n'es pas avec une fille. Vous l'envisagiez même pas, c'est-à-dire cette possibilité-là. Non, et il se serait senti peut-être forcé de mentir, de raconter des histoires. On serait rentré très facilement dans des cercles vicieux comme ça, et je crois que ça aurait été très difficile pour lui. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Hein, voilà. Comme ça, oui. Et c'est vrai que les parents ont peur souvent par rapport à l'entourage, ne serait-ce que familial, de à comment l'annoncer, qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a son fils ou sa fille homosexuelle, on va pas l'écrire sur la boîte aux lettres hein, non plus. Oui, enfin, je veux dire, ça regarde. Ça prend bien. Quand les parents le prennent bien, l'entourage le prend bien. Donc, l'important, c'est que ce soit clair et net entre les enfants et les parents. S'il y a des frictions, il y a des frictions, vous savez, entre les hétérosexuels et les parents, oula, il y en a aussi. Mais écoutez, il n'y a qu'à écouter l'émission tous les soirs, on entend des parents qui ont des difficultés avec leur enfant ou même adulte et ça n'a rien à voir avec la vie amoureuse de ce dernier ou de cette dernière. Il y a Flo d'ailleurs qui vous a écouté attentivement, Daniel, et qui dit oh ben moi j'échangerais bien une bru pénible hein, contre un gendre sympa. Mais voilà. Mais c'est vrai que souvent, dans ces cas-là, pour les mères, c'est vrai que ça se passe très bien l'échange mais avec le compagnon. Par rapport à l'entourage, vous savez, on me dit souvent, parce que mon autre fils hétérosexuel n'a pas d'enfant non plus, pourtant il a 43 ans, mais enfin, il a changé de copine plusieurs fois. Oui. Et vos garçons, ils n'ont pas encore d'enfant, vous n'êtes pas encore grand-mère. Et je dis, il y en a un qui a changé plusieurs fois de copine, l'autre est homosexuel, il n'y aura pas d'enfant, mais voilà, c'est comme ça. Vous êtes très à l'aise avec ça. Et du coup, ils le prennent très bien. Oui, forcément. Hein. Forcément, ça vient toujours, c'est quand ils vous sentent détendu par rapport à ça, l'aborder sans problème, il y a en face aussi une plus grande liberté. On va accueillir, Daniel, vous me permettez, vous pouvez rester avec nous, on va accueillir Fred qui est en ligne. Maxime, vous êtes toujours là? Il y a Fred aussi qui a envie de vous parler parce qu'il a vécu aussi, également la même situation que vous. Bonsoir Fred. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors vous êtes bonsoir, un peu Maxime, plus bonsoir, un peu Daniel. Bonsoir. Vous êtes un peu plus âgé que Maxime, vous avez 32 ans. Un peu plus âgé, oui, en effet. Mmh. Et voilà, moi, je voulais juste témoigner, déjà bon courage à Maxime. Et surtout que j'ai vécu la même chose dès l'âge de 18 ans, où j'ai rencontré mon premier copain et je le cachais vis-à-vis de mes parents, de ma famille. Et un beau jour, j'allais rejoindre mon copain un soir, et j'allais prendre ma douche et ma maman m'a dit « Écoute, de toute façon, pas un souci, tu n'aimes pas les filles. » Et j'étais un peu choqué par son attitude et sa façon de parler. Bon, ma maman est une personne qui parle assez franchement. Et je n'osais pas lui répondre, donc je suis allé prendre ma douche et je suis ressorti, je lui ai dit au revoir. Et elle m'a dit « Non, attends, tu ne pars pas de la maison tant que tu ne m'as pas répondu. » Donc j'étais obligé de lui dire « Bah oui, en effet, ton fils est homosexuel. Qu'est-ce que ça change ?» Bon, j'étais en pleurs, bien évidemment. Et voilà, donc ça, j'avais 18 ans et jusqu'à l'âge de 24 ans, il ne fallait pas en parler.
Donc que ça soit. On vous avait demandé de, enfin, il fallait pas en parler avec en famille, vous voulez dire. Je voyais que c'était tabou. Oui, que ça l'a peiné, enfin, que ça lui. Voilà, ça l'a peiné. Dès que j'essayais d'aborder le sujet, quand il y avait d'autres personnes dans la famille, je voyais très bien qu'il fallait. Elle évitait. Elle évitait, oui. Et un beau jour, à 24 ou 25 ans, bon, j'étais un peu alcoolisé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il y avait mon père à table. Et là, j'étais franco et j'ai dit, ben voilà, ton fils est homosexuel. Et mon père, qui fait 145 kilos, qui a eu des métiers assez durs dans sa vie, m'a dit, mais de toute manière, je suis pas bête, je suis au courant, je sais que tu aimes les hommes, tu es mon fils et je t'aime comme tu es. Donc mon père, qui est d'une virilité très, très imposante, je ne m'attendais pas du tout à cette situation-là et à sa réaction. Mais il ne savait pas, votre mère ne lui avait pas dit. Ma mère ne lui a jamais dit. C'est incroyable ça quand même. Que dans leur couple, elle ne lui... Dans la famille, on a un problème de dialogue. Ah oui, on peut le dire, oui. Oui. Un énorme problème de dialogue. Oui. Mais voilà, les parents restent les parents et ils savent très bien... Et oui, ça rejoint ce que vous nous disiez, Maxime. Hein, c'est-à-dire, au fond, votre père, lui, prend mieux les choses que votre mère. Alors, souvent, on entend dans les témoignages, les mères sont plus complices, plus proches. Enfin, c'est les pères qui, c'est comme si ça les remettait plus en question dans ce qu'ils avaient pu transmettre ou non à leur fils. Alors, pour vous expliquer, moi, mon père a beaucoup travaillé dans sa vie, donc je n'ai pas été élevé, on va dire, par mon père. Je le voyais très peu, mais énormément par ma mère. Mais c'est vrai que vis-à-vis des autres, ma mère fait figure d'une personne très ouverte d'esprit, elle va parler de sexe très facilement, mais par contre, c'est vrai que l'homosexualité de son fils, il fallait le cacher vis-à-vis de ses amis et de la famille surtout. Donc, mais la réaction de votre père, elle a été très tendre, hein, ça a dû vous bouleverser. Ça a dû vous faire du bien, je comprends. Ouais. Et du coup, votre mère, ça lui a permis d'avancer. Elle est obligée d'avancer dans la chose. Vers 26 ans, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie professionnelle ou dans ma vie en général, et je suis revenu du côté de chez mes parents, et ma mère m'a dit, j'espère que tu as bientôt fini tes bêtises et que tu nous ramèneras une femme à la maison. Je leur ai dit, écoutez, si vous n'avez pas compris que je suis gay, ce n'est pas un effet de mode comme vous le pensez, et que je resterai comme ça, soit vous l'acceptez, ou soit on ne se voit plus. Et là, ça a été le déclic. Pour m'accepter tel que je suis et pour pouvoir me livrer beaucoup plus facilement à mes états d'âme, à mes situations amoureuses, etc. Et depuis, il y a une complicité qui s'est mise en place. Donc, je te conseille, Maxime, d'être franc avec tes parents, de leur mettre le couteau sous la gorge, mais de dire, voilà, votre fils est comme ça, il faut l'accepter. Oui, il s'agit pas non plus d'en faire un sujet quotidien de conversation. Enfin, parce que surtout à l'adolescent, je trouve que la vie amoureuse, justement, ça appartient pas aux parents. C'est le jardin secret privé. Les adolescents sont très pudiques. D'être accepté, d'accord. Voilà. Mais en même temps, après, le fait, d'ailleurs, ça vous a pas empêché, Maxime, d'avoir eu à un moment un petit ami, autre. Et c'est votre vie, ça vous regarde aussi. Maintenant, c'est vrai que quand votre mère vous dit à la télé, t'as vu, elle est belle cette fille et tout, dire elle est très belle, mais bon, tu arrêtes avec ça. Vous pouvez lui dire. En étant gay, tu peux très bien, Maxime, je te tutoie, excuse-moi, mais tu peux très bien trouver une femme charmante, belle, et ça ne t'empêche pas de pouvoir en discuter, même avec des amis hétéros ou de ta famille, mais tu aimes les hommes, et c'est tout. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, ça complique à l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est l'âge où sa vie amoureuse, et c'est important, ça doit rester aussi quand même un jardin secret. Ça veut pas dire qu'on peut pas confier des peines de cœur, si on en a, mais tout ce qui est de la vie amoureuse, de la sexualité, c'est aussi ça, grandir, c'est un moment s'affranchir du regard des parents, et c'est bien que les parents aussi respectent cette intimité-là. Mais...
par rapport, enfin, en tout cas, les témoignages, je sais pas ce que vous en pensez, Maxime, mais sont très réconfortants. Ça montre qu'avec le temps, en général, quand même, ça évolue. Et vos parents, on voit bien, au fond, enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de chantage, il n'y a pas eu de, vous voyez, Il y a quelque chose qui me semble important, c'est que les enfants aient un peu de bienveillance envers leurs parents, parce que on vit à une époque où tout ça est mis en avant et ça paraît simple, naturel. Mais c'était pas du tout comme ça à notre époque. C'est vrai, c'est vrai. Nous, personne n'en parlait. On savait, moi j'ai mis très longtemps à savoir même que ça existe. Donc on a été élevés d'une façon tout à fait différente et on a dû s'adapter à plein de choses. Et finalement, on a beaucoup à encaisser quand même, des choses qu'on n'a pas appris nous-mêmes, auxquelles on doit s'adapter du mieux possible. Mais c'est vrai que c'est important aussi que en face, nos enfants comprennent qu'on ne soit pas parfait, qu'on ne comprenne pas toujours tout, fait des bêtises, nos propres insuffisances et qu'on ne demande pas d'être le bon Dieu, la Vierge Marie et Saint Joseph. Non, il vaut mieux pas. et tout ça parce que ça dépasse nos compétences et nous aussi, on est des pauvres êtres humains, des pauvres malheureux qui on voudrait tellement que nos enfants s'en sortent bien et soient heureux et on sait très bien qu'il y a tellement de choses qui reposent sur nous. C'est très juste, c'est que aussi les parents ils sont faillibles, ils ont des manques aussi, mais voilà, ils sont pas parfaits non plus. Donc c'était important de vous entendre et d'avoir comme ça les deux points de vue. Et c'est vrai que vous parliez, Maxime, vous aimeriez que vos parents peut-être se rapprochent d'autres parents. Il y a Chaudron de la Barre qui a mentionné l'association Contact qui fait ce travail-là justement auprès de personnes qui peut-être ont parfois un peu de mal à assumer leur orientation sexuelle, mais aussi auprès des familles, auprès des parents. Il y a des groupes de parole pour parents, et c'est vrai qu'ils font un travail vraiment important et formidable. Donc, pour ceux qui auraient besoin d'une aide, d'un soutien, l'association Contact donc a un site, c'est www.asso-contact.org www.asso-contact.org et le téléphone est le 0805 69 64 64, 0805 69 64 64. Voilà, et j'espère puis, oui. Et puis j'allais juste te dire, vous savez, Maxime, si vous réussissez bien ou au moins assez bien vos études, c'est votre liberté. Vos parents vont être heureux, vont vous apprécier encore plus. Et vous allez aller vers votre liberté à vous, et ça sera, tout va être beaucoup plus facile pour tout le monde, pour vous, pour vos parents, pour tout le monde, pour votre vie sentimentale. Écoutez, vous allez faire votre route et vous verrez que petit à petit, ça ira bien avec vos parents, parce que forcément, ils vous aiment, vous les aimez, donc. Ça va pas si mal, finalement, d'ailleurs. Ils sont, et vous, c'est une parole sage de maman, c'est-à-dire que là, il faut mettre la gomme, le Maxime, pour votre bac. Enfin, on n'aime pas ses parents parce qu'ils réussissent, hein, mais c'est on n'aime pas ses enfants parce qu'ils réussissent, mais je veux dire, l'important c'est pour vous aussi, voilà. Donc passez un bel été, reposez-vous, et comme le dit Brigitte, je vais lui laisser le mot de la fin, elle dit faites confiance aussi aux capacités d'adaptation de votre mère, elle en a comme tout le monde, mais il lui faut certainement du temps. D'accord. D'accord. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde, ça fait du bien et merci pour votre émission, c'est vraiment très très bien. Bon, ben merci Maxime et bel été à vous. Passez de bonnes vacances. Et puis, si vous voulez des coordonnées d'associations en antenne, on pourra vous les redonner. Hein. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Daniel, également. Merci. C'était aussi important de vous entendre. Merci pour votre émission. Moi, je l'écoute chaque fois que je peux parce que j'adore vos émissions et bravo. Ben merci d'y participer. Merci beaucoup, Fred, merci, de votre Caroline. Appel. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Méline. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je m'entends très mal. Ah bon ? Vous m'entendez mal ? Oui. Bah alors attendez, Fifi va faire quelques réglages et j'espère qu'on va pouvoir bien s'entendre. Ça va là ? Vous m'entendez ? Oui, ça va mieux. Bon, oui, ça va bon, mieux. Bon. Voilà, j'ai besoin d'un petit conseil parce que comme j'expliquais à votre collaborateur, là, ça fait 15 ans que je suis divorcée, que je n'ai pas de vie amoureuse. Depuis 15 ans, j'ai dû avoir 3-4 relations, mais que voilà. Puis, en fait, je pense que je suis assez difficile. Voilà, c'est surtout pour ça.
Et puis, dernièrement, je disais que j'ai retrouvé un ancien client. Et ce client-là, je l'avais connu il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, il avait une société et il m'avait demandé de... comme il vendait des légumes, il m'avait dit, vous viendrez voir mon local, je vous montrerai. Et donc, je suis allée. Il y en a, c'est les estampes japonaises, mais là, c'est bon. C'est dans le primeur, donc, lui. Oui, vous me montrez et tout. Comme moi, il me fallait des légumes, j'y suis allée. Et au moment de partir, il a voulu m'embrasser. Ah, oui. Et donc, j'étais un peu étonnée, je me suis retirée. Et le lendemain, quand je l'ai revu sur le lieu de travail, j'avais une petite enveloppe avec un petit courrier en me disant « Écoutez, je m'excuse, je ne sais pas ce qui m'a pris, voilà. » Oh, le pauvre, il s'en est voulu après coup. Ça vous a vraiment, c'est-à-dire la face, il a été un peu brusque dans son approche, c'est-à-dire il vous parlait, puis subitement, il s'est jeté sur vous pour dire au revoir. Il s'est penché vers moi. Il n'a pas su comment faire. Voilà, il s'est penché vers moi. Et donc, comme je dis, il y a quand même une différence d'âge. Hein, et il a 16 ans de moins que moi. C'est ça qui vous a... Parce que sinon, il vous plaisait ? Il m'aurait plu. Oui, mais il y avait une approche, quoi. Il a été peut-être timide et il s'est jeté. Je ne pouvais pas, si vous voulez, le fréquenter là où je travaillais. C'était pas possible. C'était pas possible, je me voyais pas, voilà. Donc, après, on a eu toujours des relations très cordiales. Je sentais qu'il y avait une petite attirance. Certainement. Mais alors, par rapport au petit mot, donc vous recevez le petit mot, vous l'avez rassuré en disant que bon, ça nuirait pas à votre relation. Ah oui, je lui ai dit non. En fait, lui, c'était un client. Voilà, c'était un client. C'était un client de l'endroit où vous travaillez. Voilà. D'accord. Donc je le voyais régulièrement, tous les 2-3 jours. Mais c'est un bon client. Oui, voilà. Je travaillais dans le milieu bancaire. On passe pas tous les 2-3 jours à sa banque, hein. Si. Il faisait des versements. Il avait envie de vous voir. Pas. Ah bon ? Non. Après, il a eu pas mal d'aventures. Il a connu une jeune femme. Il a eu un enfant. Vous l'avez revu. Vous êtes toujours en lien avec cet homme. Il a de nouveau quelques légumes à vous proposer. On va voir si vous avez fait votre marché cette fois-ci. Hein. Ce sera après le journal, hein, ma chère Méline. Ne raccrochez pas surtout. À tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1, on a retrouvé les horaires classiques de l'émission. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21 pour me parler de vous et pour réagir aussi à tout ce que vous entendez à l'antenne. Vous pouvez le faire également par mail sur le site europe1.fr ou en m'envoyant un SMS au 739-21 et en le commençant par le mot « nuit ». Nous allons retrouver Méline. Méline, vous êtes là ? Oui. Alors, juste avant le journal de minuit, vous nous expliquiez que vous travailliez dans le domaine bancaire. Vous aviez un client qui était maraîcher, qui vous avait proposé de venir voir un petit peu ce qu'il faisait, ce qu'il proposait comme légumes. Et puis là, il vous a embrassé. Il a voulu vous embrasser, vous l'avez repoussé. Et puis vous avez trouvé une lettre d'excuse où il disait qu'il savait pas ce qu'il lui avait pris. Et puis on en était resté là parce qu'il est revenu finalement très régulièrement à la banque. Vous avez repris une relation de client cordiale, voilà. Voilà, c'est tout, rien de plus. Lui, entre-temps, il a fait sa vie de jeune homme. Il avait quel âge à ce moment-là ? Il avait 35 ans. D'accord. Et vous aviez 15 ans de plus, c'est ça ? 16 ans de plus. 16 ans, oui.
Ah, ouais. Ça compte, les GSE. Vous me dites à un an près, hein, d'accord, 16 ans de plus. Ouais. Oui. Et donc, j'ai appris qu'il s'était marié avec une dame qui, ça faisait son troisième mari, et elle avait deux enfants, il les a élevés, voilà. Et puis, moi après, j'ai pris ma retraite, et on se voyait dans la rue, comme ça, et c'est toujours lui. Des fois, je le voyais pas, il me klaxonnait et tout. Et un jour, il est sorti d'un magasin, il me dit « Ah, bonjour », parce que depuis, on s'est tutoyé, parce que moi, j'étais sortie du milieu professionnel. Oui. Et il me dit, on va boire un coup. Et il me dit, donne-moi ton numéro. Et je lui donne mon numéro de téléphone. Et 8 jours après, il me dit, tiens, on pourrait déjeuner ensemble. Et je lui dis, si tu veux, pourquoi pas. Et moi, on m'avait toujours dit, c'est vrai que mon patron disait toujours que là, quand les clients nous invitaient, ils voulaient mieux accepter les déjeuners que les dîners. Hein, c'était mieux. Ah, forcément, c'est moins connoté. Oui. Voilà. Mais là, c'était plus un client. Vous ne le voyez plus dans ce cadre-là. Et lui était toujours quand même très empressé auprès de vous. Oui, mais d'un autre côté, lui, il était marié. Et puis moi, c'est pas quelqu'un... J'ai jamais essayé de le revoir. J'ai jamais... Vous fantasmiez pas sur lui. Ah non, pas beaucoup moins tout, que lui sur vous, parce que... Pas du tout, hein. Et donc on va déjeuner. Après, il m'envoie un petit SMS en me disant « Oh, je suis content d'avoir... J'ai passé un bon moment avec toi et tout. » Et il me dit « Tu sais, en ce moment, ma femme, elle est partie parce qu'on a acheté un appartement au bord de la mer. Elle est partie, on a acheté un bateau. Elle passe son permis bateau. Elle reviendra. Je vais la rejoindre ce week-end. » Oui. Et puis, il m'explique que pour l'instant, il est libre. Pas qu'il est libre, mais je comprends qu'il... Il vous laisse entendre que sa femme n'est pas là, qu'il est disponible. Il poursuit son objectif, le garçon. Voilà. Hein, il est Et après, persévérant. 2 jours après, il m'envoie un petit SMS en me disant « Tiens, jeudi soir, on pourrait se faire une petite soirée. » Et là, je commence à cogiter, parce que je suis quand même d'une nature assez méfiante. Oui. Et je lui réponds « Écoute, j'ai besoin de te parler. » Alors, il me dit « Ah bon, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Alors, je prends le téléphone, parce que c'est toujours par SMS, et je lui dis « Écoute, je voudrais savoir si c'est de l'amitié que tu as pour moi, ou bien si tu cherches autre chose, quoi. » Et il me répond « Mais qu'est-ce que tu vas chercher t'as peur de quoi ?» Je lui dis « Je sais pas, mais je lui dis « Toi, t'es mariée, je vois pas, quoi. Pourquoi une relation ?» Il me dit « Mais non. » Je lui dis « Écoute, on va pas aller dîner, on va juste aller boire un coup, et puis voilà, c'est tout. » Donc on est allé boire un coup, de 8h à 9h30, et puis on s'est quitté comme ça. Et puis, après, sa femme est rentrée, et donc là, il m'a expliqué qu'il avait beaucoup, beaucoup de boulot. Et pendant 8 jours, et ça, je veux bien le croire, c'est vrai, il travaille de 8h du matin à 8h du soir. Et pendant 8 jours, je n'ai pas eu de nouvelles. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est pas que c'est pas fini, ça n'a pas jamais commencé, mais voilà, c'est fini. Il a voulu déjeuner avec moi, puis voilà. Et puis, samedi, il m'appelle et il me dit, ça va et tout, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, écoute, je m'apprête à sortir ce soir, et puis, bonne soirée, c'est tout. Et puis, dimanche, il m'appelle à 5h, et puis il me dit, tiens, ce soir, je sais même pas où t'habites, il me dit, je pourrais passer voir, te faire un petit coucou? Je lui dis, si tu veux. Donc il vient dimanche soir et là il a commencé à moi j'étais un peu sur la réserve mais c'est dans ma nature et lui alors que lui il est très très entreprenant parce que non, lui pas trop mais en tout cas il est très en demande par rapport à vous même si vous posez la question de dire enfin c'est de l'amitié ou plus vous savez bien que c'est pas de l'amitié vous lui plaisez beaucoup à cet homme et depuis le début. Vous n'êtes pas dupe de ça. C'est vous voulez mettre des barrières, mais parce qu'il est marié, c'est ça. Il ne serait pas marié. Il ne serait pas marié, ça ne serait pas pareil, c'est sûr. Oui, il ne serait pas marié. La situation est très tentante pour vous. Il vous plairait quand même. Mais il me plairait. Il vous plaît. Oui,
Oui, parce que oui, il me plairait. Mais oui. Moi, je connais quand même sa femme, ou si je la connais, enfin, je la salue simplement. C'est pas une copine, mais je la salue. Ah, je comprends. Je l'ai déjà saluée quand même. Il m'a présenté. Et c'était pas une cliente, elle. Elle venait aussi. Oui, mais vous la croisez dans la ville, vous savez qui c'est. C'est voilà. Ah oui, je sais qui c'est. Oui, voilà. Mmh. Et donc, et c'est vrai qu'elle me dit, je sais que l'été dernier, je les ai vus. Ils m'ont salué tous les deux. Et donc, il m'explique dimanche que sa femme, en fait, elle a un amant. Ah bon, elle a un amant. Ben oui, il me dit, je la laisse avoir un amant parce que tu comprends, c'est une belle femme. Bon alors c'est vrai qu'elle est très bien faite, quand même. Oui, mais enfin c'est pas une explication par rapport au fait qu'elle ait un amant et qu'il la laisse avoir un amant. Là, il rentre vraiment, il vous met dans la confidence. Oui, c'est incroyable qu'il se confie à vous de cette façon-là. Bah oui, il me dit mais je lui dis, mais je comprends pas, tu acceptes qu'elle a un amant? Alors il me dit, bah écoute, elle a un petit jeune de 30 ans qui habite à Bordeaux, il se voit à Paris 2-3 fois par an. Et je lui dis, tu l'acceptes? Bah il me dit oui, parce qu'en fait, ma femme, elle a besoin de faire l'amour très 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 souvent. Voilà. Elle a besoin de faire l'amour et moi, je ne suis plus. Je n'arrive pas à suivre. Et si je ne fais pas l'amour, elle fait la gueule. Elle a... Donc, pour moi, en gros, c'est une nymphomane. Je sais pas. Elle peut avoir envie de faire l'amour et que lui ne soit plus demandeur, n'ait pas envie ou vous voyez, ne la désire plus et donc. Mais je trouve, alors là pour le coup, vous lui avez pas demandé pourquoi il vient vous raconter tout ça de son intimité. Qu'est-ce qui vient vous confier ça à vous? En fait, est-ce qu'il n'est pas en train de vous entraîner sur un terrain? Ma femme, tu comprends, ma femme, au fond, elle a un amant. Donc, ce n'est pas un problème si moi, je prends une maîtresse. Alors, on a un couple libre, c'est ce qu'il laisse entendre un peu, non? Moi, j'ai eu l'impression que c'était ça. Oui, hein, on peut penser. Et puis, il m'a dit, j'ai dit, mais toi, tu trompes ta femme aussi? Ben, il me dit, moi, je t'ai trompé qu'une fois et ça a duré 15 jours. Ah bon, il me dit, moi, tu sais, je bosse et je pense que c'est vrai. Elle a des tas de copains. D'ailleurs, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il a une femme qui est très dans la séduction, qui a envie de... Enfin, il vous dit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le croire sur parole, hein, qu'entre eux, donc, sur ce plan-là, ça ne marcherait plus trop et que donc, elle aurait pris un amant. Mais bon, vous, du coup, vous ne lui avez pas demandé qu'est-ce que vous venez faire, vous, dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Est-ce qu'il a besoin de se confier? Est-ce qu'il a besoin de parler et qu'effectivement, là, il trouve en vous une oreille attentive? Ou est-ce qu'il est toujours dans son entreprise de séduction et là, un petit peu plus manipulateur en disant, bah, tu sais, voilà, ma femme a un amant, alors que ça se trouve, elle n'a pas forcément un amant? Finalement, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Finalement, qu'est-ce que vous aimeriez? Parce que, en même temps, vous acceptez, vous le voyez de plus en plus, donc... Je le vois de plus en plus, je vais pas le voir souvent parce que il bosse beaucoup. Oui. Moi si c'est une relation qui commence, je sais que je le verrai pas souvent. Alors quelque part, je me demande si ça m'arrange pas parce que j'ai pas envie. Ça fait tellement longtemps que je suis seule que ça fait longtemps que vous êtes seule. Ça fait déjà 4 ans. En 15 ans, j'ai dû avoir 4 relations, même pas. Hein? Donc, je pense que je me dis, pourquoi pas finalement, est-ce que ça serait pas une façon pour vous d'avoir une relation qui vous engage pas trop, puisque de toute façon, mais et puis que sans attendre forcément autre chose, mais une façon pour vous d'être à nouveau peut-être femme, d'avoir vous une vie amoureuse, une vie intime que vous n'avez plus et qui ça vous manque. Et lui, lui, il est très demandeur. Hein. Voilà. Alors je me dis, demain, il va venir. Et il a 16 ans de moins que moi. 16 ans. Il a 48 ans. Oui, mais ça, visiblement, lui, c'est pas un problème. Vous, ça vous pose un problème, mais lui, non. Vous lui plaisez depuis le départ. Oui. Et puis, moi, je suis plutôt ronde. J'ai honte de mon corps. Voilà. Donc je me vois pas. Complexe. Vous avez peur. Oui. Oui, j'ai peur. Vous avez peur. Par rapport au c'est normal d'ailleurs le fait.
le fait que vous n'ayez pas eu d'intimité avec un homme depuis plusieurs années. Évidemment, être à nouveau dans cette intimité-là avec un homme, c'est normal que ça vous stresse. Mais en même temps, vous en avez envie et vous vous dites que peut-être avec lui, justement, ça vous mène pas trop loin. Voilà. Et puis, j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait besoin de tendresse. Je pense pas qu'il soit... Je pense pas que c'est pas une question de... Il n'y a pas que le sexe, voilà. Là-dessus, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, alors c'est là où moi, vous pouvez... Vous m'en parlez, donc c'est vous qui pouvez sentir les choses. C'est-à-dire cet homme, quand il en est venu vraiment à se confier de son intimité, de sa vie de couple, où il vous renvoie qu'il n'est quand même pas très heureux. Il y a un peu un dysfonctionnement dans le couple. Il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a quelque chose. S'il dit vrai, parce que c'est vrai que moi, bon, mais peut-être on peut se dire, est-ce que comme il vous sent sur la réserve et qu'il sent que le fait qu'il est marié, c'est un problème pour vous, est-ce qu'il avance pas cet argument ? Oui, mais de toute façon, ma femme, elle a un amant, pour finalement vous dire de ne pas avoir de scrupules. Oui. Vous voyez, c'est ça, mais comment savoir ? C'est vous qui pouvez le sentir. Puisque vous, finalement, au-delà de ça, c'est en fonction de ce que vous désirez. Parce que vous vous attachez quand même, vous voyez, il vous touche ce que vous percevez comme de la sincérité, peut-être à juste titre, par le fait qu'il est un peu perdu, pas forcément très heureux. Non, dans son couple, en ce moment. Oui. Et alors, il me dit qu'il est très amoureux de sa femme, que sa femme est amoureuse de lui. Par contre, elle sort beaucoup. Elle sort beaucoup. Mais je pense que lui ne sort pas. Oui, mais c'est possible qu'effectivement, il peut être lui très amoureux d'elle et qu'elle s'éloigne, lui travaille beaucoup. Enfin, alors, après, là, vous faites figure de confidente. Oui. Mais si déjà il vous touche comme ça et si vous avez une intimité, vous risquez, voyez, de tomber amoureuse, hein, d'un homme qui vous dit être très amoureux de sa femme. Oui. Alors. Ah ben moi je veux. Et comme je dis, l'autre jour, j'avais quelqu'un chez moi. Quand il m'a appelé, je lui dis, tu veux pas me rappeler ? Et tout il est venu le dimanche soir et le lundi, j'étais bien. J'étais bien parce que je me disais, j'ai flirté avec, mais voilà, mais je me sentais bien. Et le fait qu'il m'ait dit, je vais te rappeler plus tard, et en fait, il m'a pas rappelé. Il n'a pas pu me rappeler. Et ça m'a perturbée. Je me suis dit, mais pourvu, allez, surtout ne commence pas à te mettre des trucs en tête. Je ne veux pas tomber amoureuse, quoi. Voilà. Je veux surtout pas tomber amoureuse. Oui, mais ça se commande pas. Or déjà, la façon dont vous m'en parlez, cet homme vous attendrit, vous touche, vous étiez bien, enfin vous vous sentez. Et c'est normal, cette intimité. Cette intimité, que vous êtes en train de créer, vous trouble. Et d'autant plus que vous êtes seule, que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une intimité déjà aussi affective. Hein, vous n'êtes pas encore dans cette intimité, ce rapprochement. Bon, vous avez flirté, mais cette plus grande intimité physique. Déjà, cette intimité affective vous trouble beaucoup et ça se comprend. Donc vous êtes en train un peu de tomber amoureuse de lui. J'ai rien à attendre de lui. C'est-à-dire, en tout cas, peut-être pas effectivement dans une relation. On ne sait jamais finalement, mais vous pouvez. C'est-à-dire que vous, il y a un manque dans votre vie. Ça vous pèse aussi, l'absence de relation amoureuse, non ? Non. Vous me dites quand même. C'est ça que je me dis qu'il y a quelque chose, des fois, que je dis j'aurais besoin d'aller voir. J'ai un blocage, mais bon, ça vient, je ne peux pas en parler là, mais je pense que ça vient de ma vie, de mon enfance. Je pense qu'avec les hommes, il y a quelque chose qui passe pas parce que j'étais un enfant qui n'a pas été reconnu, que ma mère nous a élevés mais avec beaucoup de mal et que j'ai pas confiance. J'ai jamais eu confiance.
Cousin. Oui, donc cette relation, forcément, vous, à la fois vous êtes très tenté d'y aller, mais vous avez, compte tenu de cette histoire affective, vous ne leur faites pas confiance. Non. Vous avez du mal à faire confiance aux hommes, ce qui fait qu'il y a cette solitude affective. Ce rapprochement, cette intimité avec un homme, elle est très agréable pour vous, parce que là, avec lui, vous vous sentez bien. Mais c'est vrai que la perspective de devenir la maîtresse, parlons clair, de cet homme, il risque... Du coup, lui aussi, d'être assimilé à ces hommes que vous dites on ne peut pas leur faire confiance. On ne sait pas, je ne sais pas comment les choses pourraient évoluer, mais en tout cas, dans vos... dans les images que vous en avez, ça serait une situation qui risquerait d'être douloureuse pour vous. Voilà, voilà. Peut-être que pour le moment, vous pouvez... Après tout, si vous pensez qu'il est sincère avec vous... Si vous pensez, ce que vous ressentez, peut-être à juste titre, faut vous fier aussi à ce que vous ressentez. Si vous pensez que cet homme est sincère avec vous, que il vous dit, il est amoureux de sa femme, mais sa femme, bon, visiblement, il y a en ce moment dans le couple, il traverse une phase où elle s'éloigne, ils ne sont plus dans la même perspective, lui travaille beaucoup, peut-être justement parce que dans son couple ça va plus très bien, elle s'éloigne. Vous pouvez lui dire que, avec vos mots à vous, mais que plus vous vous voyez, vous sentez que vous êtes en train de vous attacher à lui et qu'effectivement ça pose problème. Ça pose problème de vous attacher parce qu'il est pas libre et que vous... mais vous pouvez lui dire parce que ça aussi ça peut modifier lui sa façon de voir les choses et pour le moment peut-être si vous avez peur que cette relation vous fasse plus de mal que de bien la maintenir comme ça un peu en l'état. Où vous êtes dans cette proximité, dans cette douceur, finalement, ça vous rassure sur aussi vous-même en tant que femme, où vous sentez quand même, vous sentez que cet homme se sent bien avec vous, il vous a courtisé beaucoup, et d'une certaine façon, il continue à le faire. Mais si vous voulez, le problème, c'est que là, il est lui-même dans une période difficile. Voilà. Donc, il vous prend aussi beaucoup comme confidente. Et vous, vous êtes en train de tomber amoureuse. Donc, après tout, autant, vous voyez, faites attention à ça. Parce que je reçois un petit message en disant, c'est vrai que c'est glissant comme terrain, cet homme qui est si amoureux de sa femme et qui s'accroche à vous dans une période délicate pour lui. Donc, vous voyez, vous êtes aussi sa confidente, là. Oui, je pense. Donc, si vous envisagez autre chose, vous risquez de souffrir. C'est ce que dit Lucie. Pour le moment, être une amie, cette intimité ne vous suffirait-il pas? En attendant... Et vous verrez bien, Lucie qui vous envoie de plein de belles pensées. Et puis Jean-Claude lui dit, je suis très surpris du comportement de cet homme, il parle trop de choses intimes. Pour moi, il faut que cette dame soit très attentive. Mais c'est par rapport à ce que vous me dites de votre histoire, hein, des images, l'image négative que vous avez des hommes. Oui. Ne pas peut-être vous précipiter dans quelque chose qui risquerait de vous conforter dans le fait, ah bah oui, les hommes, on ne peut pas compter sur eux. N'y allez pas trop. Et à chaque fois, je sens c'est souvent ce genre d'homme, ce type d'homme qui est déjà en couple, qui s'intéresse à moi. Moi, j'ai rien fait, hein. J'ai pas, c'est lui qui est venu vers moi. Non, mais on voit bien. Écoutez, je pense aussi, si vous mettez autant de réserves, la première fois, vous étiez libre quand il a essayé de vous embrasser. Alors, c'est vrai que vous étiez certes dans une relation professionnelle, ça compliquait les choses. Fiez-vous aussi un peu à vous. C'est pas un hasard si vous mettiez des réserves. C'est votre peur aussi. Mais après tout, il faut pas que ça vous fasse plus de mal que de bien. Donc, pour le moment, si vous pouvez maintenir en l'état, et vous allez bien voir aussi comment il réagit. C'est-à-dire que si vraiment il est délicat, qu'il se rend compte aussi que c'est pas parce qu'il est, lui, dans une période difficile dans son couple, qu'il doit se servir de vous. Entre guillemets. Oui. C'est parce que ça lui fait du bien, certainement il est bien avec vous, de parler avec vous, et que ce rapprochement crée, ce rapprochement psychique. Le fait de se confier, d'être de plus en plus proche, oui, ça peut créer un autre rapprochement. Mais si ce n'est que vous êtes seul dans votre vie, et que lui, il est dans son couple qui pour le moment, bon, ne va pas très bien, mais il n'empêche auquel il tient. Donc il ne faut pas que vous soyez le dindon de la farce. Donc, comme dit Angie, en bref, faites gaffe, quoi. Oui. Vous voyez, vous pouvez être sincère en disant... Voilà, moi je me sens de plus en plus proche de toi, je suis en train de m'attacher à toi, et le problème c'est que toi, ton couple, t'es pas très heureux dans ton couple, et finalement qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on continue à se voir comme ça, en amis? En amis,
Voilà. Vous le mettez un peu face à lui-même en disant que vous aussi, vous vous protégez, vous avez des raisons de le faire en tout cas. C'est pas un hasard si vous êtes autant sur la réserve, d'accord? Oui. Pensez-y quand même. Hein. Mais je dois dire aussi quand même que j'ai vu dimanche que c'est pas un homme. Il est plutôt du genre timide. Je veux dire que j'ai vu d'autres hommes qui sont. Je suis chez elle, je vais pouvoir. Je pense que. Oui, mais je vous crois, il peut être tout à fait sincère, mais lui, il est dans une période un peu difficile, où dans son couple, il est malheureux. Voilà. Et vous n'avez pas non plus. Si vous restez dans le côté confidente, vous êtes bien avec lui, ça vous valorise, ça vous revalorise, vous vous sentez mieux en tant que femme, très bien. Mais si vous commencez à être, du coup, en gros, à être claire, à être sa maîtresse, ça va changer la donne. Oui. Ouais. Parce que si vous commencez à vous lancer avec lui, avoir cette intimité, puis lui, qui continue à vous parler de sa femme, de son couple, et qu'il est malheureux parce que sa femme s'éloigne de lui, ça va pas aller, ça. Oui, ça va pas. Vous voyez, donc pour le moment, vous pouvez lui dire, bah, peut-être qu'il faut qu'ils en parlent, qu'ils voient quelqu'un. Vous voyez un peu comment, mais ne lui servez pas de, à la fois d'oreille comme ça, trop. Vous voyez, où il se décharge sur vous, vous rapprochez, et puis le but c'est quoi? Vous allez servir à rabibocher ce couple ou enfin, vous voyez, c'est peut-être pas un thérapeute de couple. Hein. Donc faites attention à vous quand même dans l'histoire. Oui. Je pense. D'accord. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, Mélie. Au revoir. Osiris envoie un petit message et revient sur le témoignage de Méline en disant « Eh oui, la nature a horreur du vide. » Et d'ailleurs, Brigitte renchérit en disant « Ne soyez pas celle qui permet au couple de tenir, finalement, à votre détriment. » C'est le risque hein, quand on est dans cette relation comme ça d'ambiguïté, de confidence, où cet homme s'épanche auprès de Méline, mais bon, en se disant très amoureux de sa femme. Donc, c'est assez un peu bancal, hein, beaucoup même. Bonsoir Odette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de vous expliquer mon cas sérieux, là je voudrais vous dire un petit truc au sujet de Maxime. Oui, Maxime le jeune homme de 17 ans hein, avec qui avait quelques soucis avec ses parents, notamment par rapport à son homosexualité. À son homosexualité, oui. Voilà. Alors chaque fois qu'on parle de ce sujet, j'ai un grand sourire et puis je pense à la chanson de Souchon. Allô maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Ah, et oui, puis moi, chaque fois, je dis allô maman, bobo, comment tu m'as fait, je suis homo. D'accord, faites un jeu de mots là-dessus. Ben oui. Ben, oui, oui, finalement. Mais elle dit, oui, elle dit beaucoup. Elle est belle cette chanson, c'est vrai, d'Alain bien Souchon. Sûr. Oui. C'est pas un reproche, il juge pas sa mère, mais je veux dire, les parents, ils pensent pas non plus qu'on a rien demandé, hein, on est là, et puis voilà. Finalement. Oui, mais en même temps, c'est toute l'incompréhension parce qu'on voit bien l'enfant qui fait lui aussi qui reproche à ses parents, bon, et particulièrement à l'adolescence, bien, on a souvent la dent dure. Ni d'un côté ni de l'autre, c'est pour ça que. Et puis, un autre truc que j'aimerais dire, vous avez souvent des belles-mères, on va dire, des dames qui disent mon fils, je le reconnais plus depuis qu'il est marié, ma belle-fille ceci, ma belle-fille cela, alors j'ai dit à Paul, et ben voilà, vaut mieux un très bon gendre qu'une très mauvaise belle-fille, quoi. Oui, c'est ça, j'ai eu des messages de cet ordre-là, je préférais, j'échange ma belle-fille ou ma belle-mère contre un gendre ou contre un beau-père, j'ai eu ça. Oui, c'est vrai. Bon, alors ça c'était une parenthèse, moi on va passer aux choses sérieuses. J'ai ma fille de 45 ans, qui est 46 pour être plus précise, qui vient de faire un AVC. Alors, bon, on est très secouées toutes les deux. Mais je comprends, ça vient de se passer, ça s'est passé quand? Il y a à peu près un mois. Et elle a fait 3 semaines d'hôpital et puis elle vient de rentrer là. Puis vraiment le contexte familial n'est pas à la hauteur. Elle a 3 enfants, son ami puisqu'ils sont pas mariés. C'est le père des enfants. C'est le père des 3 gosses. Oui. Alors lui a annoncé il y a 6 mois qu'il avait une maîtresse. Je pense que ça a été le déclencheur et. Il lui reproche d'être chez lui, plein de choses, quoi, qui ont fait qu'elle déprime depuis 6 mois, et puis sa généraliste a dit, faut pas chercher, hein, votre AVC, c'est ça, quoi. Et puis moi, elle m'inquiétait, elle m'appelait des nuits entières pour me,
Ah oui, elle était très malheureuse, elle était très... Oh, très, 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 elle était en pleine déprime. Et, puis et le mari, donc, depuis 6 mois, enfin, lui dit qu'il a une maîtresse et ne prend pas de décision, la laisse dans cette situation-là. Elle est dans une situation impossible. Bah, c'est voilà. Impossible, il ne peut pas vivre avec l'autre. Oui. Et puis, Il va lui dire si c'est finalement pour finalement la faire souffrir Ah ben là, je sais pas, il doit pas se rendre compte. Et il a changé là depuis qu'elle a fait cet AVC, est-ce qu'il est plus gentil avec elle? Il a besoin de quelqu'un constamment près d'elle, il peut pas être constamment puisqu'il travaille de ce côté-là, il bosse. Oui, oui. Je veux dire, ses filles travaillent pendant leurs vacances, elles sont étudiantes, elle a encore un gamin, ben lui il est plus ou moins à la hauteur, son père le tire un peu de son côté parce que les deux filles lui ont fait des reproches, enfin bref. Le gamin, elle ne peut plus le maîtriser. Et puis, Mais elle ne peut pas, là, la pauvre. Enfin, elle a besoin, là, avant tout, qu'on s'occupe d'elle, là, en ce moment. Bon, j'aurais voulu qu'elle aille en maison de repos. Oui. Rééducation, ce n'est pas la peine. Oui. Elle s'est rééduquée, puis l'œil, il n'est peut-être pas perdu, du moins, j'espère, parce que... Parce qu'elle a un problème, ça a touché la vision. Elle a l'œil gauche qui est atteint et gravement, parce qu'ils ont dit qu'elle ne reconduirait pas de sitôt. Elle est jeune, elle peut enfin. Qu'est-ce qu'ils en ont? Le fait qu'elle jusque-là, elle avait un bon état général, ça dépend. Elle n'a jamais été malade, enfin oui. Oui, donc elle peut aussi, elle est jeune, et puis elle va, si ça fait. Ça fait qu'un mois, donc déjà, elle peut récupérer. Elle s'est déjà toute rééduquée, le côté gauche, elle était complètement paralysée. Hein. Ah oui, donc alors, là, déjà, à ce niveau-là, elle a retrouvé sa mobilité, sa motricité. À cause de ça, ils n'en sont pas revenus, comment elle s'était débrouillée. C'est très encourageant. Elle a une volonté de faire, elle voulait rentrer, parce qu'elle sentait que lui, il était libre ce coup-là. Alors, encore plus, et je crois que c'est ça qui l'a... Ça lui donnait la rage, un peu, de se battre. Voilà, maison de repos, pas la peine... Oui, elle ne veut pas abandonner le terrain, mais... Voilà, oui, et puis elle ne veut pas partir, alors il n'y a pas dit de partir. Hein. Si cet homme n'est pas plus... Il y a quand même 25 ans qu'elle est là, elle me dit c'est mon lit, c'est mon foyer, elle n'a vécu que pour ses enfants, puis lui ça a été le quatrième, il n'a jamais pris une décision, il est... Oui, mais enfin là, il n'est pas du tout à la hauteur, cet homme. Elle l'aime, voilà. Elle lui pardonne tout. Oui, mais enfin tout, y compris un comportement où il n'est pas du tout à la hauteur là, de la situation, quand même. Enfin, déjà, je trouve que le fait de lui dire, de lui annoncer j'ai une maîtresse et puis de la laisser vivre comme ça dans cette situation où il ne prend pas de décision, où il la fait souffrir, et puis après... Vu ce qui vient de lui arriver, il n'est pas plus présent, pas plus attentionné. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Oui, oui. Ben, c'est ce que je lui dis. Puis j'ose pas lui faire ces reproches-là parce que j'ai vu que ça passait pas. En ce moment, si c'est pour vous sentez qu'elle se braque et que c'est pas la peine. Oui. Pour le moment, elle se raccroche à ça. Espérons pour votre fille que cet homme va être plus attentionné. Mais enfin, il se montre pas plus attentionné depuis qu'elle a eu ce problème. Absolument pas. Je crois que c'est pire. Oui, mais alors là, c'est grave. Hein. Enfin, je veux dire, là, c'est quand même pour le coup très révélateur du fait que. Ah ben bien sûr, c'est ce que je lui dis. C'est pas. Ça n'empêche pas de lui dire comme avant. Bon, ben ce soir, je vais là-bas. Voilà. C'est-à-dire les enfants là, vous me dites il y en a qui sont adolescents et donc il y a deux grandes, la dernière vient d'être majeure et puis ils sont autonomes. 13 ans. Voilà, et puis ces deux filles qui sont retournées contre leur papa quoi. Les rapports sont très tendus, elles viennent plus à la maison, elles ont toutes les deux. Mais en même temps, je comprends aussi si elles voient leur maman actuellement affaiblie, elles l'ont vue malheureuse, et elles voient que leur père n'est pas. Enfin, c'est très cruel de voir quelqu'un qui est affaibli, parce que pour le moment, et les médecins eux-mêmes sont étonnés de la capacité de récupération de votre fille et ça ne fait que moi. C'est très encourageant là ce que vous dites. Mais le fait s'il n'y a pas de bienveillance, enfin de la part de la personne avec qui on partage sa vie et en plus dans des moments comme celui-là, ça pose sérieusement question. En profondeur, il sait que c'est un peu de sa faute, hein, même beaucoup. Alors ça, c'est sûr, bon. Ça serait peut-être arrivé malgré tout, mais ça fait rien, ça n'a pas aidé, disons.
Voilà. Non, c'est... Je peux dire ça. Parce que ça fait 6 mois qu'elle était plongée dans une déprime et puis qu'elle continue. Elle s'en est pas sortie de sa déprime. Hein. Au contraire, là, ça s'accentue. Elle ne voit pas... L'équipe, justement, puisque le médecin généraliste a pu lui dire que, justement, les mois qu'elle vient de traverser ont été très éprouvants pour elle. Et que ça, peut-être malheureusement, ça en est arrivé à ce résultat, le corps qui lâche. Le généraliste le savait. Moi, ce que je craignais, quand ma petite fille m'a appelée pour me dire que sa maman était à l'hôpital, elle m'a ménagé, cette gamine, parce que moi, je ne suis pas trop bien. Et finalement, j'ai dit, ça y est, elle a pris des cachets, elle y avait donné des calmants, sa généraliste. Vous aviez cru, d'accord. Elle a des primes, là, donc elle sait un peu le contexte. Et puis moi, je l'ai dit à l'hôpital. Hein. J'ai vu les docteurs, puis je leur ai dit, voilà. Elle a même son gamin qui n'était pas très gentil avec elle et lui avait une fois, parce que son père fait tout pour que le gosse soit de son côté, sauf que les gamins n'y sont plus. Alors, Oui, mais enfin, c'est nul, là. Enfin, vous voyez, devrait plus y avoir l'histoire d'être du côté du père ou de la mère, là. C'est-à-dire qu'au contraire, au lieu que la famille se soude et que lui se dise, bon, j'arrête mes conneries, pardonnez-moi, mais c'est quand même ça. Voilà, quel est l'essentiel? J'ai failli perdre ma femme parce que, bon, heureusement, votre fille est là et elle a, mais enfin, ça peut être très grave et puis lui il continue, il est pas là, il monte son fils contre sa mère, enfin c'est n'importe quoi. Oui, puis même j'espère que votre fille va le réaliser quand peut-être elle ira mieux et qu'elle aura repris aussi retrouvé. Pour le moment, elle n'a pas retrouvé elle se sent dépendante à tout point de vue. Elle est dépendante à tout point de vue. Voilà. C'est ça. Donc, il faut lui laisser le temps. Et c'est vrai que je trouve que vous avez raison de ne pas. C'est pas la priorité, c'est elle. Et d'être auprès d'elle et de ne pas lui provoquer de tension, de stress. Bien au contraire. C'est-à-dire que, vous voyez, tout faire pour lui faciliter la vie. Bien sûr. Je ne suis pas 24 sur 24 près d'elle, quoi. Mais elle m'appelle et puis elle se confie beaucoup. Conduire, alors elle a des prises de sang beaucoup. Elle est bien soignée, mais bon, il faut y aller. Elle est à 15 km de la moindre épicerie. On est perdu dans la campagne et puis son auto, c'est ce qui manque le plus. Elle me dit, regarde, vois, quand je vais pas bien, ben, je pourrais monter dans mon auto. Elle adore la nature. J'irai aux champignons, j'irai ici, j'irai là. J'ai dit, je vais t'emmener, mais c'est pas pareil, quoi. Elle part. Mais oui, parce que c'est son autonomie. Elle est autonome au volant de sa voiture. Voilà. Mais bon, ça ne fait qu'un mois. Ça ne fait qu'un mois et puis vous savez, il y a même des gens, enfin même si elle ne récupérait pas totalement sa vision, elle pourrait peut-être reprendre malgré tout la conduite. Mais est possible aussi, parce qu'après tout, elle peut, le cerveau s'adapte aussi. Elle s'adapterait à cette vision-là, mais on n'en est pas là, c'est trop tôt. Ça ne fait qu'un... Il y a une nouvelle spécialité pour ce genre de... Le problème, les AVC, c'est l'horreur, parce que là, j'y allais tous les jours, je faisais 60 km pour aller la voir tous les jours. Et là, c'est incroyable. Les gens qu'il y a dans ce service, c'est immense. C'est un CHU, c'est immense. Et c'est tout des gens, il y en a des jeunes, des plus jeunes qu'elle, des plus vieux, peut-être, c'est l'horreur. Et finalement, ils le disent, hein. On n'a jamais vu ça, quoi. C'est de pire en pire. Oui, il y en a semble-t-il, hein, on déplore plus en plus ce type d'accident. Alors, il y a ceux qui ont la chance d'y aller directement, il y a ceux qui se retrouvent en charrette, il y a ceux qui n'ont plus leur tête. Et oui, il y a différentes gravités. Voilà. Oui, votre fille, heureusement, elle a de la chance, la reconnaît, elle le sait. Oui. Mais peut-être que, vous voyez, c'est tout un... Il faut déjà, c'est une épreuve, une sacrée épreuve là, qu'elle est en train de traverser. Et à un moment, ça peut aussi lui donner l'élan, l'envie de faire attention à elle, de se rendre compte à quel point... De vivre davantage pour elle et de se dire que... on peut pas mal la traiter, en tout cas. Voilà. Chaque chose en son temps. Et puis peut-être la généraliste qui, quand même, elle l'a suivie jusque-là, a vu à quel point elle était malheureuse, elle était mal, qui la voyait s'enfoncer, peut lui dire aussi que ça serait bien qu'elle soit peut-être aussi, pour être aidée à récupérer, qu'elle soit entourée. On propose dans ces services, il y a tout un accompagnement,
Une prise en charge par de pluridisciplinaires, un soutien aussi psychologique. Moi, je voudrais qu'il y ait quelque chose comme ça. Oui, faut lui... Alors que on parle de psychologue ou de choses comme ça, eh ben non, elle n'est pas dans sa tête, c'est pas, elle n'en est pas là, quoi. Comme vous dites, elle n'en est pas là, mais c'est peut-être oui. Qu'à un moment, là, elle est dans déjà de récupérer le plus possible ses facultés, de retrouver de l'autonomie, ça l'occupe à temps plein déjà. Ah ben c'est sûr. Et puis elle me dit, regarde Jimmy, Marc, tu vois, je sais où est la salle de bain, il y a des marches pour aller aux toilettes, je connais. Mais malgré tout, elle bute, parce qu'il y a toujours cet angle de vision qui est bouché. Et puis, elle doit faire face à tellement de choses nouvelles, elle doit tellement s'adapter, et dans un contexte qui, comme vous le dites, malheureusement, n'est pas aidant, avec ce compagnon qui est complètement... Puis j'en veux à cette femme, parce que vraiment j'en veux à cette femme. Lui, un peu, parce que je me dis que les hommes sont des grands enfants. Enfin, je limite un peu trop, mais j'en veux à cette femme qui est plus vieille que lui, donc plus vieille que ma fille, et qui savait qu'il était avec trois enfants, puis une femme, bien entendu. Je ne veux pas dire son épouse, ils ne sont pas mariés, mais qui le savait, et puis quand même, qui insiste, et puis qui l'a traité de salope, qui a dit, parce qu'elle allait la trouver en lui disant, tu m'as pris le père de mes gosses, elle lui dit oui à l'usine, ils disent que t'es une salope, que... alors elle lui a mis une tartine, quoi, elle lui a dit, comment c'est moi la salope, bah, tu manques pas de souffle, et finalement elle lui a mis une torche. Et cette femme s'est permis de téléphoner. Oui, mais le problème, c'est aussi quand même lui, parce que cette femme, ça n'enlèverait, elle la connaît pas, elle n'est pas intime avec votre fille, alors que lui, qui est quand même, qui vit auprès d'elle, et qui en plus aujourd'hui la voit comme ça et qui n'est pas plus présent, c'est n'importe quoi. Oui, c'est horrible. Il y a pas de, c'est quand il y a pas ce minimum de bienveillance, d'attention portée à l'autre, ça veut dire quoi? Bon, pour le moment, c'est peut-être trop douloureux et c'est pas voilà, là elle est occupée à récupérer. Comme le dit Yvan, l'essentiel c'est elle, la préserver, éviter les fatigues, les tensions, les conflits. Donc j'espère pour votre fille qu'elle va pas, même si pour le moment ça lui fait un objectif, se remettre dans cette bataille-là où elle est allée batailler, guerroyer avec l'autre femme alors qu'elle dépense de l'énergie. Mais heureusement, parce qu'elle voyait qu'elle entraînait le petit et puis qu'elle a eu peur que ce gamin qu'il aille chez elle, que ceci. Oui, mais le problème, c'est si vous voulez, souvent pour éviter l'affrontement, enfin le conflit avec son compagnon ou sa compagne, on s'en prend au tiers, à l'autre. Oui. Parce que finalement, ça préserve aussi, on voit bien, elle préserve, elle dit je l'aime, et bon. Donc elle préserve la bonne image qu'elle a de lui. Mais vu ce que vous me décrivez, en tout cas de lui, ça risque de se fissurer, et ça serait certainement une bonne chose pour votre fille si cet homme ne se reprend pas et ne montre pas plus de gentillesse, d'attention vis-à-vis de votre fille. Ah oui, au moins ça. Bon, c'est sûr, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, pour te demander quand c'est que tu vas faire ton analyse, et c'est que tu vas deux fois par semaine pour te descendre. Il faut qu'elle le supplie, mais presque. Ou alors qu'elle demande à quelqu'un, et ça, elle supporte il est odieux, c'est pas possible. Demander aux voisins, heureusement que vous pouvez l'entourer quand même beaucoup. Je reçois un petit message signé Orange Mécanique qui dit, j'ai 35 ans, j'ai fait un AVC en février, j'ai quasiment tout récupéré et depuis chaque moment est magnifique, du bonus. Alors courage à vous et à votre fille. C'est gentil, merci beaucoup. D'autant plus qu'en un mois, pour qu'elle ait récupéré de cette façon-là, c'est vraiment très positif. Et je pense que l'équipe aussi, on va lui dire à quel point il est important, et aussi elle va se rendre compte qu'il est important de prendre soin d'elle. Vraiment, et de se donner peut-être justement un meilleur environnement, une meilleure qualité de vie, qu'elle est au cœur de, voyez, et peut-être qu'il y a des choses qui la font souffrir, qui la blessent psychiquement, et le corps aussi a réagi, mais bon, je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience. Pour le moment, vous ne pouvez, comme vous le faites, c'est précieux, l'accompagner, être présente dans son quotidien, l'aider au maximum.
Et puis, oui. Lui donner le temps de, voyez, c'est, puis, elle de ne récupérer. Pas. Alors, elle est vraiment tributaire de lui. Voilà, quoi. Ça joue aussi, et puis, ça. Et lui reproche. Et puis là, ben, oui, elle dit, bon, c'est foutu, c'est, tu c'est vois, le gosse grandissait, j'allais rechercher du boulot, elle a quand même un bac plus 2. Et finalement, c'est lui qui a dit au début, mais non, tu ne vas pas travailler, il garde les gosses, enfin bref. Et... Bon, non mais ben c'est là, pas fichu, ça. C'est pas fichu parce que elle n'a que 45 ans. Après tout, ça aussi, il y a des moments, il y a des, parfois il y a des accidents de vie, il y a des accidents ben oui. au sens propre, il y a oui. des maladies, il y a des choses qui fait que on remet en question, on remet complètement en perspective ah ben, sa tout, vie, et on se dit finalement là, on réalise à quel point la vie est précieuse et à quel oui. point finalement. On veut en faire quelque chose de bien et de s'éloigner de tout ce qui voilà, est source de souffrance. On peut mieux rebondir, c'est possible, ça oui. Oui, et apparemment elle a ça, votre fille, hein, elle. Hein. Donc il faut lui faire confiance et l'entourer comme vous le faites. Oui. Avec beaucoup d'attention. Il y a une chose que j'aurais voulu demander, mais là ça va être juste pour les auditeurs. Ils ont parlé, où elle était à l'hôpital, d'une nouvelle spécialité qu'on appellerait neuro-auriculaire. Neuro-auriculaire ? Oui. Pardon, pas auriculaire, oculaire. Ah, oui, d'accord. Neuro-oculaire. Oui, donc c'est par rapport à son problème de vision, là. Ça serait des gens qui pourraient l'aider à réadapter sa vue, parce que derrière, ils ne savent pas, ce n'est pas sa vue qui est touchée, c'est derrière des vaisseaux comme tête tapis. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a oui, la zone qui a été touchée. Ils ont dit que, voilà, ils ont dit que des vaisseaux qui étaient... lésés ou autres pouvaient se réparer ou des autres prenaient le relais tout ça mais ça oui parfois il y a des circuits enfin je suis pas médecin mais des circuits parallèles ça peut voilà, on voit il y a des voilà. qui peuvent se refaire même dans les neurones on repousse finalement et puis il y a d'autres enfin il y a plein d'autres en tout cas c'est intéressant c'est il est pas content le petit chien là. Oui. c'est intéressant qu'il crée un service, une nouvelle spécialité où justement ils vont proposer certainement à votre fille des possibilités, peut-être de stimuler, ils sont optimistes dans les possibilités qu'elle peut avoir de récupération, même si ça peut prendre un peu de temps. Ah ben ils le disent, hein, ils ont déjà fait des choses merveilleuses. Mais c'est vrai oui, parce que c'est pas l'œil en lui-même, c'est ce qui peut-être alimente. Voilà, c'est ce qui est derrière. Elle le sent, la gamine, elle me le dit. Hein. Elle me dit, tu vois, c'est pas comme si j'allais crever. C'est gênant beaucoup plus. De temps en temps, elle a une grosse masse. Elle me dit, je suis passée vers ma fille l'autre jour. Elle m'a dit, je l'ai pas vue. Elle était assise. Il y a plein de trucs qu'elle voit pas. Alors, il faut qu'elle ait le réflexe de tourner sa tête. Ça lui donne l'impression qu'elle voit tout. Elle est très bien prise en charge en tout cas en ce moment. Elle peut pas être sur tous les fronts. Elle peut pas lutter sur tous les fronts. Et peut-être qu'effectivement en ce moment, son couple, bon, elle est revenue, elle retrouve sa place. Il y a les enfants aussi, mais elle peut pas. Là, elle lutte pour elle, pour retrouver le maximum d'autonomie. Elle peut pas être partout. Malheureusement, elle n'a pas un compagnon aidant, mais c'est peut-être aussi ce qui peut lui permettre de retrouver à un moment une clairvoyance, quelque chose. Voilà, bon. Faut qu'elle se booste. J'ai dit, il faut que tu penses à toi. Là, elle n'a vécu que pour ses enfants et ce gars, et c'est le père. Et puis, elle va avoir dans cet environnement aussi de médecins, de soignants. Vous voyez, elle va rencontrer des personnes entre ce médecin généraliste qui vont aussi la recentrer sur elle-même. À quel point, peut-être que justement, elle a pas suffisamment pensé à elle jusqu'à présent, et qu'il est temps pour elle de le faire. Et donnez-lui du temps. Voyez, l'important c'est déjà qu'elle récupère, comme elle le fait physiquement. Hein, c'est formidable. Ah, c'est sûr. Et qu'elle dise elle aussi qu'elle est consciente que finalement elle a eu beaucoup de chance. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Là où elle était très déprimée depuis plusieurs mois, très malheureuse, là elle a envie. Elle est dans la vie là, votre fille. Elle s'accroche. Oui. Elle est dans la vie. Elle fait tout pour retrouver le maximum d'autonomie. Vous voyez là, la dépression est passée en arrière-plan. Hein. Elle est combative.
J'espère, mais elle pleure quand même en me disant, tu vois, elle dessinait. Mais c'est normal, c'est normal qu'elle ait des moments de découragement. Oui, mais comment ? Enfin, et c'est bien d'ailleurs qu'elle puisse l'exprimer. Il vaut mieux que si elle vous le cachait, qu'elle dissimulait. Ouais. C'est normal et qu'elle passe par des moments comme ça. Ah, oui, faites-vous, il faut, on n'est qu'à un mois, c'est très très tôt, vous savez. Ça peut prendre un an, ça dépend des personnes. Bien, je vous souhaite quand même le meilleur, hein, pour elle et pour vous. Oh, vous êtes gentille. Ce que je voulais dire. Je vous embrasse. Aussi, et on ne peut plus, Odette, je suis désolée, mais on ne peut plus. C'est l'heure, là. Je dois rendre l'antenne. Hein. Vous pourrez rappeler pour donner de vos nouvelles. Au revoir. Oh, vous êtes gentille. Au revoir, Odette. Je vous rappellerai. Au revoir, Caroline. Merci. Au revoir.